banal, quoi. Donc, en fait, je me demande si ce phénomène de la télé-réalité, il n'était pas lié aussi au fait que, bah, tout à coup, dans la télévision, on voyait des gens qu'on n'avait juste pas l'occasion de rencontrer ailleurs. Et là, dans cette émission, eh ben, il y avait toutes sortes de France qui se rencontraient. Est-ce que ça a eu un est-ce que ça a le moindre sens de dire ça ou pas, François Just? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que si je prends d'autres télé-réalités comme L'île de la Tentation, choses comme ça, comme je disais souvent à mes étudiants, c'est n'importe qui d'entre nous, mais plutôt d'autres que moi, en tout cas. Hein. Je veux dire, c'est quand même des gens bodybuildés. Vous feriez un bon tentateur. Hein. Donc, non, je pense que ça a été. Je me suis une fois disputé avec Angela Lorente à ce sujet, qui disait que c'était une des voilà. grandes casteuses des premières émissions. Qui de disait c'est représentatif des Français. Ça m'étonne vraiment. Si vous voulez, le temps de public étudiant que j'ai eu toute ma vie, j'ai jamais rencontré des Loana, des Jean-Édouard, etc. Mais il y avait aussi des Philippe. Il y avait des gens qui étaient oui, qui ressemblaient vraiment à des cadres. Et on n'en parle plus du tout, justement. C'est précisément, ils ont été totalement oubliés. Les vrais stéréotypés sont restés comme stéréotypes, effectivement, mais ils sont restés. Nesrine Slaoui, je crois que c'est tout le principe même de la télé-réalité, c'est que c'est mettre en scène des gens qui viennent de milieux populaires et de milieux modestes à destination de ces gens, d'autres gens issus de milieux populaires et de milieux modestes. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres, peut-être que Constance les a ou Sam aussi, c'est, on le sait que la majeure partie des gens qui regardent la télé-réalité sont des gens issus de milieux populaires, de milieux soit quartiers populaires, soit de milieux ruraux, et que même les candidats... Non, c'est pas forcément le cas. Okay. Je sais pas, c'est le cas pour les Marseillais, les Ch'timis. En fait, l'image de ces programmes a ce vernis et ce mépris aussi envers les classes populaires, mais c'est ce que je dis dans le livre. En fait, moi, je n'ai jamais autant parlé de télé-réalité qu'en école de journalisme. Et oui, tu connais les écoles de journalisme. C'est quand même des classes sociales. Voilà, on est dans un milieu assez privilégié. En fait, il y a ces programmes-là, ils sont faits avec les classes populaires, mais ils ne sont pas faits essentiellement pour les classes populaires. Oui. Ouais. Et l'intérêt du Loft, en fait, c'était le fait d'avoir, par exemple, une Laure Delattre, qui était une candidate issue d'un milieu bourgeois, disons-le, et une Loana, qui était l'archétype. Alors, Angela Lorente, qui était rédactrice en chef du Loft, dit qu'elle n'a pas travaillé sur des archétypes, mais on retrouve quand même des schémas assez caricaturaux. Et donc, il y avait en face Loana, donc la brune contre la blonde qui était gogo danseuse, qui venait de la Côte d'Azur et qui venait d'un milieu très populaire. Et ça me dira. En fait, il y a aussi le public, le regard, l'œil du public que le public porte sur les protagonistes. Il se trouve qu'en l'occurrence, lors de cette toute première saison, qui était un laboratoire pour les productions de télé-réalité, Loana a recueilli tous les suffrages, tous les yeux étaient rivés sur Loana. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur la première décennie de la télé-réalité? Les productions ont recherché leur nouvelle Loana. Il fallait trouver la nouvelle Loana, il fallait trouver cet intérêt sur la future candidate qui deviendrait cette nouvelle Loana. Par la suite, il y a eu Nabila. Donc, dans la deuxième décennie de la télé-réalité, il a fallu trouver la nouvelle Nabila. Et d'ailleurs, vous avez fait un article très intéressant, je ne sais pas si je peux me permettre le parallèle, mais sous fond de religion, sur l'Arab Fishing, avec notamment des candidates de télé-réalité qui userait de codes religieux pour attirer des communautés sur les réseaux sociaux, etc. Juste pour bien définir ce qu'est ce terme anglais Arab Fishing, en quelques mots, Nesrine Slaoui. En fait, l'Arab Fishing vient du terme Black Fishing aux États-Unis. Donc, Black Fishing, c'était pour décrire toutes ces femmes qui se faisaient passer pour des femmes noires ou des femmes métisses sur les réseaux sociaux. Et l'Arab Fishing, donc, c'est le fait de se faire passer pour une femme maghrébine pour justement essayer de s'attirer la sympathie sur Internet. Et pour citer aussi le travail, on va s'autociter mutuellement, mais moi, le moment où j'ai découvert l'Arab Fishing, c'est le moment où Samzira a fait l'interview d'une candidate qui s'appelle Safia Alba, qui est la sœur de Mila Jasmine, et toutes les deux s'appellent en fait Gwendoline et Marie-Charlotte. Donc voilà, c'était... Alors, leur vrai nom, c'est Gwendoline voilà, et Marie-Charlotte, et elles ont appelé des pseudonymes à connotation maghrébine, parce qu'il y a eu justement cette tendance post-2015, après le Allo Shampoing de Nabila, j'ai pas toute la phrase, mais j'ai raccourci à Allo Shampoing, c'était juste après ça, et apparemment les productions, c'était Valérie et Robert qui m'avaient expliqué que les productions ont compris qu'il y avait un enjeu pour les femmes maghrébines d'être très médiatisées à la télé-réalité, en tout cas qu'elles avaient un succès. Elles étaient décrites comme les bimbos, c'est-à-dire que les personnages de télé-réalité vont aussi vers la caricature, donc elles étaient présentées comme ça, comme des bimbos et cervelées, etc. Et donc après, il y a eu toute cette tendance dans la télé-réalité où des femmes qui ne sont pas des femmes maghrébines se sont faites passer pour des femmes maghrébines. J'enregistrais il y a quelques jours une interview très intéressante avec une ancienne candidate des Anges qui s'appelle Nesma, et qui me le disait, donc c'est elle qui me le disait, elle me disait, voilà, moi si j'ai plu à l'époque, c'est parce que j'étais l'archétype
l'archétype de la beurette avec les gros seins. Et quelque part, ça avait un côté sensationnel pour les casteurs, pour les émissions de télé-réalité. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on rentre dans une troisième décennie, dans une nouvelle ère de la télé-réalité. Et on est sur une télé-réalité, qui change complètement. C'est-à-dire que là, les productions essaient de retrouver le naturel, mais ont un petit peu les fesses entre deux chaises parce qu'il faut en même temps du sensationnel. Résultat, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu... Hybride. Voilà, hybride. Et donc si je résume, et je me tourne vers vous, François Jost, mais ce que j'entends, c'est que vous dites que finalement, la télé-réalité, lorsqu'elle débarque sur les écrans français au début des années 2000, il y a cette promesse d'authenticité, de vrais gens vont enfin... avoir leur place à la télé, et qu'aujourd'hui, finalement, la promesse de départ, elle a été en quelque sorte un peu trahie. Absolument. Ou elle a été remplacée par des personnages. Parce qu'effectivement, il faut se rappeler que quand la télé-réalité a commencé, on discutait sur la réalité. On s'est écharpé pour savoir ce qu'il y avait de réel, est-ce que c'était pas réel, est-ce que ça voulait dire quotidien. D'ailleurs, le format de Big Brother au départ, c'était sur la quotidienneté. Hein. On s'est posé la question. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de direct, quasiment. On demande plus aux gens qui sont dedans, aux candidats, on leur demande plus d'être eux-mêmes, ce qui était la demande de la première télé-réalité. On leur dit, au contraire, essayez d'être le plus tricheur possible, le plus mensonger possible, de faire des coups de tordus, etc. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que, et on voit comment, effectivement, on est assigné à un rôle pour continuer dans... Contrats de comédiens, certains. Voilà, mais bien sûr. Il y a eu cette rupture de 2008-2009 où, tout d'un coup, un avocat a démontré que la télé-réalité était un travail. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on a des comédiens. Il y avait une école de télé-réalité à New York. Donc, il y a des comédiens qui viennent jouer, etc. Ça a complètement changé. Et on est passé... la TF1 a mis en avant ça constamment ces derniers temps. Le jeu. Hein, c'est ce qu'ils ont répété. Et ça va avec Koh-Lanta. Et moi, je voudrais juste rajouter un point. C'est que pour TF1, il y a une vraie idée de programmation. Parce qu'avant, on avait un truc qui s'appelait Mask Singer, qui était du même ordre. C'est-à-dire deviner qui est derrière le masque. Et là, c'est deviner qui est derrière la personne. Et quand vous parlez, enfin, pour revenir vraiment aux conséquences et à l'impact que ça a pu avoir sur la société, quand vous parlez justement de ces codes autour du mensonge, de la manipulation, du jeu qu'on retrouve dans la télé-réalité, Nesrine Slaoui par exemple, est-ce que vous pensez qu'à force de regarder les programmes où c'est ce qu'on demande de faire à des personnages, finalement ce sont aussi des codes sociaux qui vont infuser nous dans notre pratique, dans notre vie réelle, ou est-ce que le téléspectateur... Problème. Ça me pose un vrai problème parce que on a d'un côté, si vous voulez, un premier ministre qui va dans les collèges pour dire il faut absolument respecter les règles, vous allez suivre ce qu'on vous dit, etc. De l'autre côté, vous avez Secret Story qui dit soyez menteur, soyez tricheur, etc. Il y a une sorte de clash là, entre les deux. Ah, mais il n'y a pas plus mensonge qu'en politique. En fait, les politiques ont par exemple sur la télé-réalité. Hein. Je pense que ça leur sert même. Oui, c'est un autre débat. Je ne serais pas aussi rapide que vous dans ce sont des candidats comme les autres. Mais, je trouve que c'est intéressant. J'ai un avis exactement contraire, mais spontanément. Je pense que la télé-réalité nous montre de façon très caricaturale ce que nous sommes très profondément. Je veux dire par là qu'en fait, ça fait appel à un voyeurisme très spontané, à une confusion effectivement entre la mise en scène, le spectacle et la réalité, enfin des choses qu'on a retrouvées dans la littérature, qui d'ailleurs est très théorisée par des gens très très savants. Donc en fait, juste, est-ce que le bon filon de Love Story, par exemple, on en parle parce que c'était la première, c'était pas juste de se dire on va corrompre une génération ou la société et qui ensuite du coup va se conformer à ce qu'on a fait, qu'en fait juste ce qu'elle nous montre, c'est juste l'archétype et l'exacerbation entre guillemets de nous-mêmes au fond. Non seulement ça, mais tous les programmes télé en Suisse, quand on prend Koh-Lanta par exemple, Koh-Lanta est une émission de télé-réalité pure et dure. Elle a les codes élimination, parce qu'on vous vend ça comme un dépassement de soi familial. En fait, c'est une télé-réalité extrêmement violente où qu'est-ce qui compte ? La stratégie, l'élimination, l'effort physique, etc. etc. La trahison. Alors ça, c'est pour les télé-réalités d'aventure. Il y a eu les télé-réalités télé-crochet avec la Star Academy où on a pu voir, là je rejoindrai Nesrine, on a pu voir dans les toutes premières saisons de Star Academy des propos qui seraient indicibles aujourd'hui entre les candidats masculins
Parlant des candidats féminins, par exemple, il y a les téléréalités de cuisine maintenant, parce que Top Chef est une téléréalité avec ses codes. On a oublié, par exemple, que Jennifer, il y avait ses mensurations. Oui, bien sûr. Qui étaient affichées à l'époque à Star Academy. Il y avait toutes les candidates féminines. Donc en fait, tous ces codes-là ont infusé dans tous les programmes de divertissement aujourd'hui. Mais alors justement, on parle de plein de types de programmes différents. Une question, je me tourne vers vous, Constance Villanova. Comment est-ce qu'on définit concrètement la téléréalité? Où est-ce qu'elle commence? Où est-ce qu'elle s'arrête? C'est impossible définir, mais je pense que ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est qu'il y a eu un énorme virage en 2010 avec le fait que maintenant, à partir de 2010, être candidat de télé-réalité, c'est devenu un métier. C'est-à-dire qu'il y a une émission qui débarque sur Énergie 12 qui est un ovni qui s'appelle Les Anges de la télé-réalité et on voit des candidats qui sont recyclés et qui refont la télé-réalité. Et maintenant, on ne suit plus depuis 2010 une émission de télé-réalité en particulier. On suit des candidats qui vont passer de la Villa des Cœurs Brisés au Marseillais. Et en fait, avant, sauf si on s'appelait Loana, on faisait une télé-réalité et on retournait à l'anonymat. On faisait quelques bookings en boîte et c'était terminé. On revenait à son job. Là, c'est aussi devenu, et c'est ça aussi qui explique à quel point ça s'est exacerbé, une façon d'exister sur la durée, de créer un business, de créer une audience. Et donc là, je parle vraiment de ces téléréalités qu'on appelait d'enfermement, mais qui ne sont plus des téléréalités d'enfermement, puisque les candidats ont des jours off, vont en boîte de nuit, font des séquences à l'extérieur. Et ça, c'est un vrai business complètement hallucinant qui s'est créé à partir de 2010 et qui a créé aussi énormément une culture du clash. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, pour exister dans ce type de programme, pour se faire une place, pour jouer des coudes, il faut crier, il faut former des couples, il faut briser des couples. Et c'est ça qui a fait aussi, qui a créé tout cet arc narratif très caricatural. À cette époque-là, pardon, excuse-moi de t'avoir coupé. À cette époque-là, il y a 100 personnes qui, tous les ans, débarquent sur le marché de la télé-réalité. Entre toutes les émissions, celles qui recyclent, celles qui apparaissent, celles qui reprennent, il y a 100 personnes qui débarquent sur le marché. Donc il faut exister en gueulant, en criant. Mais il faut exister en criant parce que la production le veut bien. Et c'est ça la chose fondamentale. Il y a ça, et puis aussi, ils deviennent professionnels eux aussi. Donc eux aussi se réapproprient les codes. Ils savent à quelle sauce ils vont être mangés. Ils savent ce qui va passer au zapping ou sur les réseaux. Donc eux aussi, c'est un grand jeu de dupes. Bien sûr, mais c'est un grand changement entre le début de la télé-réalité et aujourd'hui. C'est qu'ils sont assignés à des rôles que construisent les producteurs. C'est-à-dire qu'on a des milliers d'heures, non, j'exagère, des dizaines ou des centaines d'heures de rush, et on refait du récit avec ça. Donc, on n'est plus dans la même, authenticité, si vous voulez. Ils n'ont pas besoin d'être beaucoup poussés par la prod. Voilà. C'est d'accord avec... Il n'y a pas que les producteurs qui le construisent, ils le construisent aussi eux-mêmes, parce que ce sont pour la plupart les premiers à comprendre cette histoire de recyclage. Et c'est marrant parce que j'entends employer le mot recyclage comme on le ferait pour un produit. Et eux-mêmes, en fait, ont compris qu'ils étaient des produits et que leur visibilité leur permettait de gagner beaucoup d'argent. Et c'est parce que, justement, la télé-réalité n'a pas été prise au sérieux par les médias institutionnels pendant très longtemps, que derrière, il y a des requins et des personnes qui se sont greffées à tout ce business-là, je pense notamment aux placements de produits, et qui ont gangréné complètement une industrie et un genre télévisuel. Mais vous dites, ils ont très bien compris qu'ils sont des produits. Finalement, ça me dira, est-ce qu'on n'est pas tous un peu, nous, à l'heure des réseaux sociaux, de la mise en scène de soi sur Instagram, des petits candidats de télé-réalité en puissance ? Est-ce qu'ils ne sont pas juste une version extrême de ce qu'on fait tous au quotidien ? Bien sûr, et pour répondre à une question précédente que vous avez posée, vous avez dit, où commence la télé-réalité, où est-ce qu'elle s'arrête ? Moi, je vous dirais que la télé-réalité, elle a commencé, selon moi, pour la France, avec le Love Story, donc sur M6, et qu'aujourd'hui, elle s'arrête sur TikTok. Elle s'arrête sur les réseaux sociaux. Parce que TikTok, Instagram, Snapchat, toutes les plateformes sociales, c'est même pas que c'est la continuité de la télé-réalité, c'est qu'elle a pris le pas sur la télé-réalité. Comme le disent dit très bien Constance Villanova, aujourd'hui, les personnes, la plupart, ils ne regardent pas la télé-réalité, ce ne sont pas les jeunes, contrairement à ce qu'on pense, ce sont les millénials. C'est ceux qui ont grandi avec le Loft et qui ont quelque part une nostalgie. C'est pour ça qu'on assiste aujourd'hui à des anciens programmes de télé-réalité qui reviennent sur le devant de la scène. Et croyez-moi, je peux vous le dire, c'est même une info que je vous donne, des programmes anciens de télé-réalité qui vont revenir, il va y en avoir plein. C'est que le début. Parce qu'on est sur un surfing de la nostalgie, exactement comme mes parents avaient la nostalgie des années 70 ou des années 80. Et il y a la nostalgie de ceux qui ne l'ont pas vécu. C'est ça qui est très paradoxal. Et TF1 était assez maligne en mettant des anciennes émissions de Secret Story sur YouTube pour préparer ceux qui ne l'ont pas vécu vraiment, leur donner envie et leur donner envie de comprendre leurs parents aussi. C'est ça qui est intéressant. Les scores les plus importants en termes de PDA, de part d'audience sur le Secret Story qui revient, c'est sur les 15-34, 61%. C'est le plus fort.
On a vu aussi... Les 34 ans, ça veut dire qu'ils ont connu la première version, enfin les premières versions. L'autre téléréalité qui est revenue...